Les gens pensent que les relations ne sont qu'une question d'amour. Non, une relation est une énorme quantité de gestion. Si vous ne la gérez pas, elle mourra. La plupart des histoires d'amour sont comme ça. Ce n'est de la joie que les premiers jours, après ça, que de l'anxiété. Certaines, un désastre complet, d'accord? Je voudrais vous donner une clé avec laquelle vous pouvez adoucir vos émotions vous-même sans l'aide de personne. Est-ce que ça vous intéresse? Vous savez, il suffit d'un clic ces jours-ci pour rencontrer quelqu'un, vous tombe amoureux et ensuite vous dites non, ce n'est pas la bonne personne. Et puis vous recommencez avec un autre. Alors qu'est-ce que le véritable amour exactement? Et cela peut-il arriver deux fois, trois fois? Donc c'est ça que j'aimerais vraiment comprendre. Voyez, il y a ce qu'on appelle l'amour et il y a ce qu'on appelle une relation. D'accord? Une relation a lieu entre deux personnes. C'est une autre affaire, c'est une transaction d'une certaine nature. Quel niveau de relation? Malheureusement, aujourd'hui, si vous prononcez le mot « relation », les gens ne pensent tous qu'à des relations basées sur le corps. Non. Si vous avez un frère ou une sœur, vous avez une relation avec eux. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est basée sur le corps. Vous avez des parents, vous avez une relation avec eux, vous avez des amis, vous avez une relation avec eux. Eh bien, vous avez tous ces gens de la radio, vous avez une relation avec eux. Tous les gens à qui vous parlez, vous avez une relation avec eux. Donc, il n'est pas nécessaire que le mot « relation » soit pris en otage par les relations basées sur le corps. Mais malheureusement, c'est comme ça qu'il est utilisé à cette génération. Il n'était pas utilisé comme ça quand nous étions jeunes. Mais aujourd'hui, si vous dites « relation », les gens pensent que vous avez une relation avec quelqu'un. Donc, une relation est une autre affaire, parce que ça implique 2 ou 3 ou 10 personnes. En ce moment, vous tous ici avez un certain type de relation. Ceci est un groupe de personnes ayant une relation. Une famille est un groupe de personnes ayant une relation, d'accord? Donc, cela est une question de transaction. Les transactions peuvent bien se passer, mal se passer, vous savez? Toute transaction, aussi bien cultivée soit-elle, parfois elle se passe mal, parfois elle se passe merveilleusement bien. Parce que dans les transactions, 2 personnes ou 10 personnes sont impliquées. Même si la transaction n'est qu'entre 2 personnes, le reste du monde participe d'une manière ou d'une autre à cette transaction. Bien souvent, les relations humaines sont détruites non pas à cause des 2 personnes, mais à cause de la 3e ou 4e personne ailleurs, qui va y faire autre chose, d'accord? Donc, ces choses arrivent. Mais maintenant, tant qu'on parle d'amour, séparons l'amour de la relation. L'amour est ce qui a lieu en vous. La relation est quelque chose que vous faites dans le monde. Ce que vous faites dans le monde est toujours soumis à diverses forces. Toute transaction que l'on fait dans le monde est soumise à diverses réalités. Une fois que vous êtes impliqué dans le monde, quelque chose se passe bien, quelque chose ne se passe pas bien, parce qu'il y a énormément de gestion. Les gens pensent que les relations ne sont qu'une question d'amour. Non, une relation est une énorme quantité de gestion. Si vous ne la gérez pas, elle va mourir. Si vous ne la gérez pas, elle va s'effondrer. Mais l'amour est ce qui a lieu en vous. Cela n'est pas soumis aux forces extérieures. Mais pour l'instant, les gens permettent qu'il en soit ainsi, malheureusement. Mais en réalité, ce qui a lieu en vous, la douceur de vos émotions, ne devrait pas être déterminée par quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Ce qui se passe en vous doit être déterminé par vous. Ce qui se passe dans le monde, vous ne pouvez pas tout déterminer. Vous avez un certain rôle. Mais il y a tellement de gens qui jouent un rôle. Ou s'il y a 2 personnes, l'autre personne joue aussi un rôle à 50%. Alors comment ils vont le prendre, ce qui va se passer, les situations, diverses choses sont là. Mais ce qui a lieu en vous doit avoir lieu comme vous le voulez. Donc, ce que vous appelez amour est quelque chose qui a lieu en vous. Mais malheureusement, les gens vous ont dit, il y a de l'amour dans l'air. Ça veut dire que c'est un air pollué, ça doit être à Delhi. Même Delhi a de l'air pur ces jours-ci, d'après ce qu'on m'a dit, même si je n'y suis pas allé depuis un certain temps. Donc, ce n'est pas dans l'air, c'est quelque chose qui a lieu en vous. Vos émotions ont pris une forme douce, pour quelque raison que ce soit. Donc maintenant, vous utilisez un stimulus externe, vous utilisez l'autre personne comme une clé.
pour rendre vos émotions douces. Je voudrais vous donner une clé avec laquelle vous puissiez adoucir vos émotions vous-même sans l'aide de personne. Est-ce que ça vous intéresse? Pour que vous mainteniez vos émotions toujours douces et que la clé soit entre vos mains. Une fois que vous donnez la clé à quelqu'un d'autre, il n'y aura que de l'anxiété. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? La plupart des histoires d'amour sont comme ça. Ce n'est de la joie que les premiers jours, après ça, que de l'anxiété. Certaines, un désastre complet, d'accord? Ça dépend de la dose de bon sens qu'ils ont. Mais essentiellement, ce qui a lieu en vous doit être déterminé par vous. Ce qui a lieu autour de vous dans le monde n'est jamais déterminé à 100% par vous, que ce soit bien compris. Vous ne pouvez jamais, jamais déterminer ce qui a lieu autour de vous entièrement vous-même. Même si ce ne sont que deux personnes, vous ne pouvez pas le déterminer. Parce que l'autre va faire ses propres trucs. Si quelqu'un a la clé pour ça, pas vous. Parfois, il va l'ouvrir, parfois il va le verrouiller et jeter la clé. Alors vous dites, l'amour est catastrophique. L'amour n'est pas catastrophique. Les relations peuvent toujours devenir catastrophiques, malheureusement. Mais on n'a pas forcément à voir ça comme ça. C'est juste que, parfois, les relations humaines ne vont pas marcher. Pas nécessairement entre un homme et une femme, si et ça. Même entre frères, ça ne va pas marcher, entre sœurs, ça ne va pas marcher, entre parents et enfants, ça ne va pas marcher, entre amis, ça ne va pas marcher, n'est-ce pas vrai? De très nombreuses façons, ça ne marche pas. Mais maintenant, quand vous avez cette idée irréaliste que quelqu'un d'autre doit créer des émotions douces en vous, alors vous allez à coup sûr torturer cette personne. À coup sûr, cette personne ne sera plus là demain matin. Donc, ceci doit être compris. L'amour est votre prérogative. Vous devez être aimant. Quelle importance? Qui est là? Qui n'est pas là? Qu'importe? Le fait que vos émotions soient douces est vital pour l'épanouissement de l'individu que vous êtes. Si vous voulez développer votre intelligence, si vous voulez développer vos capacités, si vous voulez fonctionner dans le monde de façon très efficace, vos émotions devraient être toujours douces.